le décalage est très très marqué entre la population française d'une part et les élus d'autre part, qui sont en plus surqualifiés par rapport au reste de la population. On le sait, notre pays traverse aujourd'hui une crise démocratique extrêmement importante. Une partie des racines de cette crise sont dans les institutions, mais une autre partie est aussi dans la représentativité de nos élus. Le gouvernement vient de faire passer une loi, engagement et proximité, qui n'y répond absolument pas. Et pour réfléchir sur ces questions et sur les solutions à apporter, nous avons interrogé aujourd'hui Éric Kerrouche, sénateur socialiste et par ailleurs directeur de recherche au CNRS et co-auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Profession élu local, la fin d'un mythe républicain pour un renouveau démocratique ». Eh bien justement, non. En fait, il y a un grand décalage entre la population des élus d'une part et l'ensemble des citoyens français d'autre part. Quand on regarde la distribution sociale des élus, alors c'est vrai pour, j'allais dire, les simples conseils municipaux ou alors les maires et les adjoints, on se rend compte qu'il y a énormément de contrastes avec le reste de la population. Il y a plus de retraités, il y a 25% de retraités en France, il y en a 40% chez les maires. Il y a moins de femmes, singulièrement dans les exécutifs. Le nombre de femmes maires dépasse à peine les 16%. Le nombre de femmes présidentes d'intercommunalité dépasse à peine les 8%. Il y a très peu de jeunes. Et surtout, les catégories sociales supérieures sont plus largement représentées que l'ensemble des autres Français. Et pire que cela, il y a certaines catégories sociales qui ont complètement disparu. C'est le cas très fortement des ouvriers, qui ne représentent que 1% des élus et pratiquement aucun maire. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que pour améliorer la représentativité, il faut donner plus de garanties aux élus locaux. Si, en tant que salarié du privé, je veux m'engager en politique, je veux devenir, par exemple, maire, eh bien, il ne faut pas que cet engagement me coûte professionnellement. Et il est évident que j'ai besoin de garanties pour faire en sorte que, m'engageant pendant un moment, eh bien, cela ne remette pas en cause mon propre parcours professionnel. Et donc, ce qui serait important de faire, c'est de professionnaliser le moment pendant lequel on exerce un mandat, de telle façon à ce qu'on ait des garanties, et de telle façon surtout que des gens qui, a priori, ne se présentent pas actuellement en politique parce que le statut leur interdit, pourraient désormais le faire. La question de la professionnalisation du moment du mandat, c'est tout simplement la question d'une plus grande démocratisation. Bien entendu, cette solution, elle doit être contrebalancée. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement le fait que c'est important de professionnaliser le moment du mandat. Mais si on fait ça, on peut, en fait, promouvoir quelqu'un ou lui donner une carrière pendant toute une vie. Et il n'en est pas question. La question principale, je l'ai dit, c'est de démocratiser. Et donc, il faut assurer un statut uniquement pendant un temps limité. Et nous proposons donc qu'il ne soit pas possible de se présenter plus de 3 mandats au même poste. En fait, le mandat doit devenir une expérience professionnelle comme une autre. Et il faut donc que l'expérience que j'ai pu acquérir en tant qu'élu, elle puisse me resservir plus tard dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle. Le mandat n'est qu'un passage comme un autre, pas plus que cela. Il doit donner des garanties, il doit pouvoir faire en sorte qu'on ait une carrière professionnelle après, mais surtout, surtout, il ne doit pas devenir une profession dans le temps. Puis le deuxième aspect, c'est que, à côté des éléments statutaires, il faudra faire en sorte qu'il y ait une plus grande hybridation entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Il n'est plus possible de se contenter d'une élection tous les 6 ans. Il faut non seulement un nouveau statut pour les élus, il faut aussi, d'une certaine façon, un nouveau statut pour les citoyens, en leur donnant tout simplement, pendant le temps du mandat, plus de capacité d'expression
et de participation aux décisions locales.